Le Soudan du Sud a besoin de 81,6 milliards de livres soudanaises pour financer son budget 2018-2019. Adopté à l'Assemblée nationale le 20 août 2018, les détails de son exécution n'ont pas été révélés. Cependant, des experts pointent l'incapacité des recettes pétrolières à assurer le relèvement de l'économie du pays. Pourtant, le Soudan du Sud a repris l'exploitation du pétrole à la faveur de la signature d'un nouvel accord de paix. La question à l'heure actuelle est celle de la disponibilité à court terme des investissements nécessaires à une telle opération. Ensuite, l'évolution positive des recettes publiques qui, bien que n'étant pas à la hauteur du budget estimé, ont progressivement augmenté depuis quelques années et constituent une bonne base. Le fort recours à l'importation des aliments représente un frein aux perspectives économiques du pays. En effet, 12 millions de Sud-Soudanais dépendent des apports alimentaires extérieurs. Le secteur agricole est encore fragile, tout comme les secteurs tertiaires et secondaires en général. Le taux explosif d'inflation au Sud-Soudan lui impose de développer des secteurs de saine création de richesses. Pendant l'exercice budgétaire 2017-2018, deux tiers des dépenses publiques du Soudan du Sud ont été couvertes par des donateurs étrangers. L'État sud-soudanais devra pendant l'exercice en cours remonter un taux de croissance de moins 7% enregistré l'an dernier.